tentative de coup de coude de Samy, répétée. Oh, et celle-ci est arrivée. Yotsinka évidemment va essayer de placer les coups vraiment efficaces. Il va moins en faire, mais ce qu'il va faire, il va essayer de le faire mieux, plus précis, pour éventuellement tenter d'obtenir une victoire avant la limite. Ah, et ce sang qui continue de couler, on voit ça gêne Samy. Ça, c'est déjà pas évident de rencontrer quelqu'un comme Yotsinka lorsqu'on est en pleine possession de ses moyens. Mais là, l'épreuve est redoutable. Redoutable, parce qu'en plus de ça, le Thaï vient de sortir maintenant les coudes. Et il fait reculer Samy, il l'emmène dans le coin du ring. Sors de là, Samy. Et Samy qui va essayer de boxer sur le contre, on le voit, il laisse venir Yod. L'embêtant, c'est qu'avec un boxeur aussi expérimenté, aussi talentueux, on a peu de chance de le voir tomber dans ce genre de piège. Et si Yotsenkai tire parti de ces moments de latence, il le fait avec le bon dosage, il ne se jette pas. Il peut même se permettre d'attendre, hein. C'est lui qui est en tête. Même si c'est pas le genre de la maison. Et malheureusement, cette blessure pourra certainement atténuer et handicaper la prestation de Samy Sana. Mais après tout, elle était à la régulière. Oh oui, quel coup de coude quand même. Faut oser ça, face à Yotsenkai. Et on vient de voir justement la précision de Yotsenkai qui est allé frapper pile poil sur la blessure, sur l'arcade, afin de l'aggraver un peu plus. And the winner is... Thailand, Yotsenkai. Alors évidemment, on ne voyait pas comment on aurait pu attribuer la victoire là, maintenant à Samy. Et bien sûr que cette victoire de Yotsenkai est tout à fait logique et méritée. Mais je le disais en préambule de ce combat, il était important de voir comment, dans sa jeune carrière, Samy Sana allait se comporter en affrontant déjà le numéro 1. Et bien, il nous a donné la réponse. Samy était présent et il a pu mesurer le travail qui lui reste à effectuer. On compte sur lui, évidemment, pour le faire, faire ses réglages. Et on espère retrouver Yotsenkai assez rapidement pour une revanche. En attendant, Yotsenkai, lui...